matin dans l'huile d'olive. On sort le fromage qui est un peu traîné par terre, mais il n'y a pas de ça. On va faire des petits pains grillés à l'huile d'olive, ça doit être pas mal, non? J'en fous pas. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pas une assiette. Ils sont en train de se désagréger au fond de la poêle en fait. Pas du tout ce qui était prévu. C'est censé griller. Échec. Voilà. Tous les concurrents rêvent d'un burger. Là, moi le burger, je l'ai. Alors je vais manger dehors je crois parce que là... Il y a des gens qui ont des machines à laver, il paraît, avec l'option nettoyage vapeur, genre la vaisselle se fait ébouillanter à l'intérieur de la machine, enfin de la vaisselle plutôt. Bah moi c'est la même chose. Hop, je mets la vaisselle avec un peu d'eau sur le gaz. On attend que ça monte en pression. Alors, tout se fait décoller de l'intérieur. Après, il n'y a plus qu'à évacuer partout, tu vois. C'est diablement efficace. Vous me voyez tout le temps avec un bonnet, parce qu'il fait froid. Mais sous le bonnet se cache un véritable problème capillaire. J'ai une espèce de nœud géant sur la tête. Donc je vais m'atteler à essayer de démêler mes dreadlocks. J'ai réussi il y a une dizaine de jours. Donc on va voir si j'y arrive cette fois-ci. Pas hyper confiante. Et voilà, démêlage accompli. J'ai mis une huile pour cheveux sur les cheveux. Enfin, de l'huile d'argan, quoi. Je suis huilée. On va dire qu'en termes de propreté, c'est pas ça, mais en termes de nœuds, on est bien. Et en même temps, plus il y a de l'huile, moins il y aura de nœuds. Voilà, c'était la minute beauté avec Clarisse à bord de Banque Populaire. Pas grand chose, mais j'ai pas fini. Ça mouille encore un peu pour aller à l'avant, j'attends qu'il y ait encore moins de vent.